نفذ هذه وطبق هذه ودير هذه وحقق هذه. وديك الساعة اللي درتو مع الشيخ كوكو، والحاجة اللي عجبتني هو السؤال اللي طرح لي الشيخ كوكو، قال لي جيب شي وحده اخر. يوسف كيفاش تخور متطلعوش هو صافي هو مستهلك مالوش ورا لبس الحريرة. اعمال آلة القتل والدمار منذ 1830 في ارضك وكتبشع بمليون. انا لا افهم كيف يفتخرون بمليون ونص شهيد ولا 5 ولا 15، والله لا افهم. كم من مليون قتيل فرنسي في الحرب العالميه الاولى والثانيه، كم من مليون قتيل في المانيا وبلجيكا وهولندا وفي اسبانيا في كل بريطانيا كم في روسيا. مي خرجنا فرصه اسم المعارك، اعطيني اسم المعارك اللي درتو تمايا وعدد السكان اللي كان كان احسن حاجه هي غلق الحدود لضبط الامور. يعني احنا ساعدناكم المناوره البائسه واليائسه ديال فرنسا. ليش حلقتنا غنشوفوا واحد، ربما غنشوفوا واحد الامتداد او واحد الجواب. Vendredi en début de soirée, des affrontements éclatent entre des jeunes marocains de ce quartier populaire de Derb el Kébir et des migrants subsahariens. Des poubelles, des pneus incendiés et des jets de pierre. La scène se passe à deux pas de la gare routière d'Ouled Ziane. Très vite, les forces de police interviennent. Elles escortent les migrants africains qui se replient dans leur camp de fortune. Ils sont des centaines à vivre derrière ces grilles d'un jardin public, dans des conditions précaires. Mais ils se disent victimes des Marocains. Si l'origine des affrontements reste à établir, ces accusations de racisme témoignent d'une cohabitation de plus en plus difficile. Depuis 2014, le Maroc entame une politique novatrice de régularisation dont bénéficient des dizaines de milliers de migrants subsahariens. Mais aux portes d'une Europe barricadée, de nombreux Africains restent bloqués ici, sans papiers et... L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. En ce moment, la jeunesse africaine, le peuple africain, tout le monde, dans vos têtes, comprenez que la Mauritanie est noire, la Tunisie est noire, le Maroc est noir, la Libye est noire. Et ça, c'est une mise en garde. Une mise en garde, c'est pour dire que si ça continue, que ça continue ou que ça ne continue pas, nous appelons notre peuple à la reconquête territoriale.
نرى أن فرنسا لم تقدر أن تحمي مؤسسة دبلوماسية على أرضها، وهذا كان يعني مسطر مع الاستخبارات الجزائرية التي تبين أنها دعمتهم ماليا، وإحنا متأكدين من هذا العمل من أناس من بين هذه الشرذمة التي اقتحمت السفارة المغربية. Choisi de manifester devant le consulat de la France parce que l'événement qui a eu lieu s'est produit effectivement en France. Et nous estimons que dans un pays qui se respecte, de tels actes ne devraient être pas commis parce que de tels actes seraient de nature effectivement à mettre en danger la vie de tous. Donc c'est pour ça effectivement que nous avons voulu de manière symbolique ici manifester notre mécontentement de ce que de tels actes ont eu lieu en France effectivement. Maintenant, tout le peuple noir, devait se retrouver en Libye. Parce que cette terre appartient aux Africains. Les Libyens sont arrivés. Les Libyens n'ont jamais été des Africains. Ils se reconnaissent comme des Arabes. Mais ils ne peuvent pas se permettre sur la terre africaine de vendre les Africains. C'est la fin. C'est terminé. C'est la fin. Le peuple noir doit envahir la Libye parce que la Libye est une terre africaine. Ne pas venir dans la maison de quelqu'un et donner des sorbes de la manière. La Libye, à compter de maintenant, est une terre africaine. Et restera une terre africaine. Une population noire. Nous sommes chez nous, Libyens. Nous sommes chez nous, Libyens. C'est vous qui êtes des arabistes. Et nous allons libérer ces personnes. Toute la race noire va envahir la Libye. Les dispositions sont prises. Les dispositions sont prises. Cette terre reviendra aux Africains. Cette terre reviendra aux Africains. Cette terre reviendra aux Africains. Les Libyens, les Bani Wali, Libyens de Tripoli, Libyens de Benghazi, nous allons faire face, nous allons avoir un conflit s'il le faut, nous n'allons plus jamais avoir peur de qui que ce soit. Nous nous sommes ici en Afrique, et en Afrique on n'a peur absolument de personne, aucun Africain, aucun Libyen, aussi Satan soit-il, ne va nous faire peur. À partir d'aujourd'hui, s'il faut se rendre là-bas en Libye, on va y aller. Alpha Blondy a demandé que tous les jeunes prennent des armes. On ne doit plus avoir peur. À partir de... Nous allons libérer ces migrants. Ne croyez pas que ça va rester comme ça très longtemps, parce que la colère est en train de monter. Et si vous croyez que nous sommes des incompétents, si vous croyez que nous sommes incapables, détrompez-vous. La jeunesse africaine est déterminée plus que jamais aujourd'hui à prendre ses responsabilités. Nous vous ordonnons, c'est un ordre, parce que nous n'avons plus peur de vous. Nous vous le disons dans la colère. Nous allons venir chez vous. Si vous ne libérez pas les migrants, vous allez nous voir chez vous. Nous serons des millions chez vous. Aujourd'hui, s'il faut se rendre là-bas en Libye, on va y aller. Alpha Blondy a demandé que tous les jeunes prennent des armes. On ne doit plus. Alpha Blondy a demandé que tous les jeunes prennent des armes. On ne doit. Chers frères et sœurs migrants, dans vos bagages, vous devez avoir
une arme pour défendre vos vies et celles de vos proches. Cette arme sera votre compagnon de voyage. Nous, je ne comprends pas. La Libye a compté de maintenant.